Ton iPhone affiche le message iPhone limité au propriétaire. Alors, pas de panique, je vais te montrer la solution. Venez sur ce site, téléchargez cette application que vous soyez sur macOS ou alors sur PC Windows. Une fois l'application téléchargée, ouvrez l'application. Maintenant, connectez votre iPhone à votre PC. Si vous recevez ce message, alors votre iPhone est compatible, alors cliquez ici. Vous allez être dirigé sur cette page, alors entrez votre nom, votre email et entrez le code promo SchoolKid237. Puis cliquez sur Apply Promo Code. Vous aurez une grosse réduction. Une fois terminé, cliquez sur Accepter les conditions et sélectionnez votre mode de paiement. Moi, je vais sélectionner ceci. Puis cliquez sur Buy Now. Une fois le paiement effectué, vous allez recevoir ce message. Retournez dans l'application et cliquez sur Start. Une fois ici, cliquez sur Next et l'iPhone va entrer en mode de récupération. L'iPhone est en mode de récupération. Maintenant, on va suivre les étapes qui s'affichent là pour mettre l'iPhone en mode DFU. Vous pouvez regarder sur Google si vous ne connaissez pas comment mettre un iPhone en mode DFU. On va maintenant cliquer sur Start. Et on va maintenir ces différents boutons. Si vous connaissez lire l'anglais, alors suivez tout simplement ceci. Voilà, l'iPhone en mode DFU. Et là, le déblocage sera effectué. Maintenant, cliquez sur Close. Puis cliquez maintenant sur Start. Voilà, comme vous pouvez voir, le déblocage a été effectué. Maintenant, le téléphone va redémarrer. Le téléphone a été activé, vous pouvez mettre la carte SIM et tout va fonctionner. Nous allons mettre la carte SIM. Voilà, comme vous pouvez voir, tout est fonctionnel et vous pourrez faire les appels, les SMS, vous pourrez mettre un compte iCloud dans votre iPhone, faire la mise à jour et tout fonctionnel. Et cette astuce, ça marche à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Et aussi les iPads de 2013 à 2017. Et pour plus d'astuces, like et abonne-toi.